jarama defterere to sabi dum bo ina wayno subu yidi ni ngode may njalti min en sababu ko yidde andude mi joji tubu fo be jogi di idi enen bawi hebdu dumen mi wadi ra non pour na timmi kala bada bada wandi kala ko fudda e der afrique afrique na be fami dum ne demgal mum en ndanya ne hakillaaji mawdu no feewi mbaɗa heen ma ha ko ɓuri ko mbaɗmi heen ko e ɗimmel ngel ko mboɗo yeeyatno calendrierji mboɗo wanno calendrierji puɗɗi ko impérde gana ɗon won deuxiéme impérde gana ko ɗon ɗi puɗɗi e ɗin ɗon calendrierji woori jalɗo e jalkiti calendrierji ɗi ɓe cikki wonɗo timtintomi e soko tawi ɓe mbi soko tawi ɓeɗo wawi gonga e gonga yomi haalani yimɓe ɓe hono aduna o weeyiri aduna o holno weeyiri ɗum waɗi mbanmi no aduna o weeri ni ɗum waɗi mbanmi palanisuji ɗi on joguiɗo hen deftere nde ɗum waɗi palanisuji ɗi mbanmi ɗiɗo palanisuji pour hami holla kam leydi koye ɗi jeeya tawi koko weeyi ɗum woni jaabol ngol ari ɗo ani mbanmi hen ɗum waɗi mbanmi jimol he ngol ni premier mi yoɗama o gena tagɗo tago mumi nder pehum pehum woni ɓolum mahi yiiɗiɗe teddele beydiɗe ha bada woni sobo bo ay o ɓoɗo wonno ndeɗo nde yalti koye defte mawɓe mbiyetede annoraji ɓere e deftere nde ɓe hollata tan ko tawgo foof to ɓerde ma duƴƴi foof wonko allah famnanma hen aɗa wawi dañdi hen ha feere mum wonka mum gonga mum tigirigui mum ɗum foof aɗa wawi dañdi hen e matureuji aduna ɗi foof aɗa wawi andude woto waɗi nafma hen ane ɗum defte nde wiyete e kadi ha feere philosophie en ko kalata eto allah ɗum foof wona gonga yani ko heewi hen ko woori allah foof wona gonga haade ko woori allah foof wona gonga noon en dañi yani mi yiiɓoɗo wawi ruttude ɓe e ɗum mi waɗi ɗum pour ruttude ɓe allah noon andi no wayata wedde fof allah andi inde koɗɗe ko ɗum ɓoɗi yinno windude ko ɓoyi pour jabta pour ganda andinde e minnene haade mi yii hen on ko ganduwi mi windi mi janggi e ceernam wiyete ko ɗuuki abdoul fattah ɗuuki e goɗɗo ene wiye ganda aliou issa on jeyakoto électeri kono hoɗi ko misra e wuuro wiyete ko maraja dabek toon hoɗi ganda mi jangge makko gandal ngal mi heeɓi hen famamuya mi waaɓi ɗum mi andi ɗum minne mi yiiɗi andinde ɗum banda men kadi mi yiyani afrique naɓe winduɓe e ɗum ɗo minne mindumi hen e ɗum ɗo tawmi en c'est un ouvrage qui parle quoi d'astronomie c'est bon un livre de base comme le faisait les grands savants dans l'Égypte ancienne donc dans l'Égypte pharaonique et dans la Grèce antique en fait les œuvres quoi d'érudition se faisaient sous forme de poèmes. Donc Abou Dembel Mbodj a fait exactement la même chose. En fait, c'est une œuvre de réduction qu'il a fait dans sa langue en poula. Donc parfaitement, ça c'est une question très pertinente. En réalité, même la maison d'édition a eu un problème. Parce qu'en fait, nous sommes habitués à voir les livres selon le genre littéraire. C'est-à-dire que d'un point de vue formel, c'est un recueil de poèmes, mais du point de vue du fond, c'est une œuvre scientifique, donc c'est un essai. Donc c'est un peu à la frontière entre les deux. C'est ça qui rend le livre très difficile et très original, en fait. Donc je crois que c'est la première fois dans notre pays qu'un livre de science a fait se soit formulé de cette manière-là. Il a un très grand mérite. C'est la première fois donc qu'un scientifique se prononce, en fait, parle de la science, mais de cette manière. Pour inviter nos compatriotes à réfléchir davantage, en fait, on ne considère
que comme grand savant que celui qui exprime ses connaissances en français. Mais si on l'exprime dans une autre langue, on a du mal à le considérer comme un vrai intellectuel d'abord. Bon, lui, Abu Dhabi, c'est un universitaire qui a fait les grandes universités du monde arabe, qui est revenu dans son pays, qui a été prof d'arabe, mais qui a travaillé à partir de sa langue. C'est un militant du Poulard qui a travaillé donc sur cette base-là depuis très longtemps et qui est très respecté aussi dans le monde Poulard. Et d'ailleurs, pour vous dire, en fait, et ça aussi, c'est la problématique de la création ici chez nous, et beaucoup de nos grands écrivains, entre guillemets, de nos écrivains, en fait, qu'on suppose grands, en fait, ne sont même pas connus par le peuple. En réalité, c'est des écrivains par Udi. Alors que, bon, là, si on prend Abu Dhabi Mbouk, c'est quelqu'un qui est connu dans le Fouta profond, qui est connu dans la diaspora. D'ailleurs, je viens d'avoir des commandes de la France tout de suite par rapport à l'ouvrage. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est bien connu, qui est respecté. En fait, on a retenu de traduire Mes étoiles noires de Turam en Poulard, en Wolof pour le moment, en arabe et en anglais. Bon, la même chose aussi, nous envisageons de faire la même chose pour Abu Dhabi, de le traduire en Wolof dans un premier temps, en français, en anglais et peut-être dans les autres langues après. Bon, des planètes, c'est un peu le mouvement des planètes. Donc, la description des planètes, c'est-à-dire la description des planètes, des galaxies, en fait, c'est un livre très scientifique. Bon, nous l'avons soumis à des scientifiques qui ont validé le contenu. Donc, c'est un texte très scientifique qui parle des planètes, qui parle des étoiles. C'est Seydou Nourou Ndiaye, je dirige les éditions Papyrus Afrique. Voilà. Donc une maison d'édition qui publie principalement en langue africaine, mais qui publie dans les autres langues. Bon, nous publions en français, en anglais, en arabe, et voilà. Yeah.